J'ai perdu mon appartement. Et quand j'ai déposé les papiers pour avoir un autre appartement, on me dit, tu ne travailles pas encore, tu as passé tout le temps au pays, en train de faire ONG, tu n'as même pas de fiche de paye, comment on peut te donner un appartement? J'ai dit, moi, je prie un Dieu vivant. Et souvenez-vous, tout le mois de mars, le prophète était là. Je vois des clés d'appartement. Et un jour même, quand il approchait, il est descendu, venu vers moi. Cette dame-là, je vois qu'on l'entend lui donner les clés. C'était le dernier dimanche de mars. J'ai dit, mais papa, moi, je n'ai pas de fiche de paix. C'est maintenant seulement que je vais rentrer en formation, travailler et avoir fiche de paix. Mais Dieu a fait. Come on. Les mêmes personnes m'ont appelé. Ils m'ont donné l'appartement. Et voilà les clés. Les clés que Dieu avait vues ici. Que papa avait vues. Non, non, tu n'as pas acclamé. Rends la gloire à Dieu. Rends la gloire à Dieu. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Vous savez, c'est difficile de. It's very difficult. De perdre un père. To lose a father. Et ce monsieur qui vient de nous quitter, c'est. The man who has gone. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris. Et tant as a lot. J'étais beaucoup proche de lui. Quand j'étais à Abidjan, je ne pouvais pas faire une semaine sans le voir. Quand tu voyages, quand tu reviens, on est tout le temps ensemble. Souvent, il m'appelle, il me dit, bon, j'ai un message à prêcher quelque part. Viens, on part ensemble. Il a aiguisé ma langue. He sharpened my tongue. Le dimanche passé, j'étais avec lui au téléphone. On a beaucoup parlé. We spoke on together on the phone. C'est difficile. It's very difficult. Que Dieu nous bénisse. God bless you. Il a eu confiance en moi un jour. Trust me one day. Très jeune. When we were so young. Et on allait à une croisade. We went to a crusade. Il avait un séminaire de 3 jours. We were having 3-day crusade. Et c'était la première fois qu'il. That was first day. Il m'a vraiment honoré ce jour-là. Il m'a donné le micro. Il m'a dit, tu prêches devant moi. You preach before me. J'avais tellement peur. I was so afraid. Il dit non, vas-y. He said go. Et jusqu'à là, and, la parole de Dieu a commencé à grandir. And the word of God began to grow. Je vais chanter un chant qu'il aimait bien chanter. I want to sing a song that he likes so much. Les musiciens vont nous aider. The musician will help us. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la gloire. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu m'avais promis la. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la délivrance. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh
accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Tu m'avais promis la gloire. Yahweh accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es l'éternel. 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 Le Dieu de papa d'Ao. Dieu de papa d'Ao, le Dieu de papa d'Ao, le Dieu de papa d'Ao, tu es le Dieu de Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le Dieu de Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu de Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Je veux chapitre 1 à partir de verset 1. Josué 1 à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays, que je donne aux enfants d'Israël. Dis à ton voisin que je donne aux enfants d'Israël. Touche quelqu'un, dit que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, et le Liban, jusqu'au grand fleuve, fleuve de l'Euphrate, tout pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer. Dans le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Touche quelqu'un, dit, nul ne tiendra devant toi. Je ne t'entends pas. Dis bien, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Et bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que mon serviteur a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne et ne t'épouvante point. Ne t'épouvante car point. L'Éternel ton Dieu, ah, l'Éternel est, avec Dieu toi est avec dans toi tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Dis Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame fort le Lord. Alléluia. Amen. Touche ton voisin. Touch your neighbor. Dis-lui, tu feras entrer. Touche-le, dis, tu feras entrer. You shall make enter ta famille. Your family dans le bonheur. In the happiness. Dis Amen plus fort que ça. Amen. Well. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Clap for the Lord. Ici, la Bible nous parle. Here, the Bible is talking about de Josué. Of Joshua. Tous nous avons lu ce passage. We all, we read this scripture. Nous avons réfléchi là-dessus. We think about it. Mais avant de parler de Josué, before talking about Joshua, nous allons parler de Moïse. We are talking about Moses. Mais qui était Moïse? Who was Moses? Moïse était Moses was le serviteur, the servant, ou l'homme, the man, ou le canal par lequel the Dieu est passé God used pour apporter la délivrance, bring deliverance dans la vie du peuple d'Israël the people of the land qui était of en captivité en Égypte. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens. On les torturait. Et la Bible déclare que ce peuple-là avait connu la souffrance, avait connu la douleur. C'était difficile pour eux de pouvoir être autonomes. Ils n'avaient pas l'indépendance. Ils étaient sous la coupole du peuple égyptien. Et la Bible déclare qu'un jour va arriver où la Bible nous dit que Dieu va se révéler à Moïse. Mais ce que vous devez comprendre, Moïse lui-même a grandi au milieu de ce peuple. Et je comprends par là que Dieu l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que quand Moïse est né, la Bible déclare qu'en ce temps-là, on cherchait à exterminer tous les mâles qui naissaient en ce jour-là, qui naissaient en Israël. Et vous allez comprendre que l'histoire de Moïse est comparable à l'histoire de Jésus. Même quand Jésus devait naître, il y avait les deux qui étaient arrêtés. On devait exterminer aussi tous les mâles qui laissaient en ce temps. Alléluia. Dis Amen plus fort que ça. Dis Amen plus fort que ça. Est-ce que tu me suis? Et la Bible déclare, lorsque Moïse est né, de la même période, on devait exterminer. Et la Bible déclare que les femmes the woman, juives the étaient woman, très fécondes. Donc, quand elles les enfantaient, elles faisaient plus de sommes que de faire des femmes. Donc, eux, ils avaient peur que ce peuple-là se multiplie. Donc, il fallait exterminer. Il fallait tuer. Et la Bible déclare que c'est là que Moïse est né. Dis Amen plus fort que ça. Well. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs enfants. Pour les parents que vous êtes, souvent les enfants peuvent naître dans des difficultés. Au moment où tu as perdu ton emploi, c'est là que l'enfant naît. Dis Amen plus fort que ça. Mais le plus souvent, l'enfant qui est né n'est pas un enfant de malheur, mais c'est un enfant de miracle. Parce qu'il naît là où il y a le désespoir pour apporter l'espoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui, tu es né pour apporter l'espoir dans ta famille. Qui a dit un amen de bien? Parce que je vais aggraver les choses ce matin. Qui dit un amen plus fort que ça? Écoute-moi bien. Moïse est né dans cette période catastrophique. Moïse est né dans cette période où c'était difficile de pouvoir voir naître un enfant mal. Mais la Bible déclare, lorsque Moïse est né, la Bible dit, ses parents vont le prendre. Ils vont le cacher. Ils vont cacher Moïse. Ils vont le cacher. Pendant des mois, pendant des années, et la Bible déclare, ne pouvons plus le cacher, ils vont l'exposer au Nil. Dis Amen avec moi. Dis avec moi, ne pouvons plus le cacher. Arrivé à certains moments, ils ne pouvons
pouvait plus tâcher Moïse. Il ne pouvait plus le garder. Et la Bible déclare la seule solution qu'ils avaient, c'était de le jeter sur l'île. Qui connaît l'île? Qui connaît l'île? Vous savez, l'île est une eau. Là où il y avait les crocodiles, là où il y a les gros caïmans. Donc l'île était d'abord un danger. Donc Moïse sera jeté sur l'île. On doit l'abandonner sur l'île. Il n'y avait plus de solution. On le relâche sur l'île. Pendant que l'île courait, pendant que l'île courait, un gros danger. Les crocodiles pouvaient le manger. Les caïmans pouvaient le dévorer. Mais lorsqu'on l'a jeté sur l'île, la Bible déclare, au lieu que les crocodiles le mangent, bien aimé, ils ont conduit Moïse vers la maison de Pharaon. Au lieu que les crocodiles l'enterrent, ils l'ont protégé, ils l'ont conduit. La Bible déclare, un jour la fille de Pharaon va aller se baigner. Lorsqu'elle allait se baigner, elle se lavait, elle a constaté que sur l'île, il y avait un panier qui flottait. Il y avait quelque chose d'étrange. Écoute-moi bien, bien-aimé. Lorsque la fille de Pharaon a vu cela, je me suis posé la question de savoir si c'était quelqu'un d'autre. La personne allait ignorer ce fait-là. Mais la fille de Pharaon, elle s'est arrêtée. Elle a regardé le panier. Elle a vu le panier qui flottait. Elle a vu le panier qui surnageait. Elle a vu le panier qui s'approchait. Mais chose bizarre, elle s'approche du panier. Elle constate qu'il y avait un bébé dans ce panier là. Il y avait un enfant qui pleurait. Il n'avait pas sa maman à côté de lui. Il n'avait pas son père à côté de lui. On l'avait jeté sur l'île, abandonné sur l'île. Mais bien aimé, le plus souvent, tu es abandonné parce que quelqu'un va te recueillir. Tu es rejeté parce que quelqu'un va te recevoir. Qu'est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu viens d'amener bien. Je vais aggraver les choses. Moïse a été abandonné. Moïse a été jeté sur l'île. Mais la fille de Pharaon l'a vu. Normalement, elle devait le laisser. Mais elle a dit non. Je vais le récupérer. Le plus souvent, quand tu es le sauveur de ta famille, lorsque les gens t'abandonnent, lorsque personne ne croit en toi, il y a une personne que Dieu met sur ton chemin. Il te dit que toi, il y a encore de l'espoir pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moïse ne devait pas mourir sur l'île. L'île n'était pas le lieu de destruction pour Moïse. Mais c'était un lieu de passage. Mais tu veux lui dire à quelqu'un, la souffrance que tu es en train de vivre est un lieu de passage. C'est juste un passage. Mais ce n'est pas ton arrêt. Ce n'est pas là que tu vas rester. Écoute-moi bien. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 23, David pouvait le dire. Quand je marche dans l'ombre de la vallée où règne la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Alléluia. Moïse est un bébé. Va traverser l'ombre de la vallée de la mort. La mort ne va pas l'engloutir parce qu'il avait une mission. La mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël. Écoute-moi bien. Chaque personne que Dieu a prédestinée, chaque personne que Dieu a appelée, c'est pour une mission, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va t'amener à accomplir ta mission? Ce sont les difficultés. Mais écoute-moi bien, les difficultés ne viennent pas pour t'engloutir, mais elles viennent pour te donner un caractère, elles viennent pour te donner un message. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aussi longtemps que tu vas traverser l'ombre de la vallée de la mort, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Écoute-moi bien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tu peux lui dire à quelqu'un, bien aimé, tu es sur cette terre pour une mission. Si tu n'as pas encore achevé ta mission, tu ne vas pas mourir. Tu vis encore parce que tu dois achever la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es un homme de mission. Tu es une femme de mission. Écoute-moi bien. Que ta mission n'est pas encore achevée, tu ne mourras pas. La mort ne te connaîtra pas. Et la mort ne connaîtra pas chez toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moïse
Moïse sur l'île, il reprend dans la maison de Pharaon. Je me suis posé la question de savoir. I wonder. Mais pourquoi Moïse était sur l'île? Why was he on the island? Moïse était sur l'île. Moses was on the island. Parce qu'il devait connaître Pharaon. But he's supposed to know Pharaoh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Les endroits que nous traversons. The place you are crossing. Des endroits que nous connaissons. The place you know. Qui sont comme pour nous des endroits de douleur. Like a place of pain. C'est en ces lieux que Dieu nous donne rendez-vous. On the place God gave you a appointment. Je suis en train de parler à quelqu'un. I am speaking Dieu to ne somebody. Te donnera pas rendez-vous dans un endroit. God will not give you a appointment. Hyper riche. The rich place. Immensement riche. Very rich. Dans un endroit là où il y a le désert. Where the wilderness. Je connais quelqu'un qu'on appelle Abraham. I know somebody called Abraham. Il marchait avec son neveu Lot. Working with Mais le jour où il va se séparer. Lot a choisi un endroit. Lot a choisi paradisiaque. The place. Mais Abraham a choisi le désert. C'est parce que dans le désert, Dieu l'avait donné un rendez-vous. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je prends quelqu'un de rien. Et il fait de lui un roi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute-moi bien. Cela ne dépend pas de ton niveau de titre. Cela ne dépend pas de ton intelligence. Mais cela dépend du plan de Dieu. Le plus souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, quel est le message que tu diras aux gens? Quel est le témoignage que tu vas rendre aux gens? Écoute-moi bien. Si tu n'as pas connu de difficultés, tu ne peux pas prendre un témoignage à quelqu'un. Tu dis à cette personne, aussi longtemps, j'ai connu la pauvreté. Mais aujourd'hui, Dieu a changé mon statut. Dieu a changé ma destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moïse était la personne qui devait montrer l'exemple au peuple d'Israël. Parce que lui-même a été sauvé des eaux. C'est pourquoi Moïse dit sauvé des eaux. Mais écoutez-moi bien. Moïse est rentré dans la maison de Pharaon. Il commence à prendre ce Pharaon. Il commence à manger ce Pharaon. Mais écoutez-moi. Bien. Arrivé à certains moments, on voulait faire de Moïse le fils légitime de Pharaon. Pour le faire oublier même ses attributs et sa descendance. Mais écoutez-moi bien, je connais dans la classe des oiseaux. Par moments, les perviers se mettent à voler avec l'air. Ils constatent un moment, ils pensent qu'il est de la même race que l'air. Mais arrivé à certains moments, lorsque les perviers et l'air commencent à voler, bien. À une certaine dimension, le bévier est limité, mais l'aigle n'est jamais limité. Arrivé à un certain moment, bien aimé, tu reconnais que tu n'es pas de la même famille, mais de la même tribu que eux. Écoutez-moi bien, tellement qu'on lui a donné le bonheur, il était porté dans la maison de Pharaon. Mais arrivé à un certain moment, quand il s'est regardé, et il a regardé le peuple qui était en train d'être torturé, il a imaginé sur l'instant que lui, Moïse, il n'est pas une Égyptien, mais il fait partie du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Moïse va démissionner. Il va laisser Pharaon. Il va laisser la maison de Pharaon. Il va aller vers son peuple. Il va se détourner vers son peuple. Parce que la mission pour laquelle il était arrivé, c'était de délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse arrive devant le peuple. Il est dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a dit ceci. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Mais l'Éternel m'a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu le pleur. Et je suis descendu pour le délivrer. Bien aimé dans le Seigneur. Si Moïse restait ce Pharaon, il n'allait pas recevoir ce message. Il a fallu que Moïse sorte de ce Pharaon pour recevoir ce message. Il dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel. Il m'a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu ce que la oppression les fait subir, je suis descendu pour les délivrer, je suis venu dire à quelqu'un, impossible pour les hommes, l'impossible pour Dieu, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence, le peuple d'Israël était dans la souffrance, mais Dieu a délégué quelqu'un, Dieu a choisi Moïse, il a pris Moïse. Il dit Moïse, assez c'est assez, il y a trop de misère, il y a trop de preuves, il y a trop de pauvreté, la mort a frappé, mais assez c'est assez.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Il dit assez, c'est assez. Enough is enough. Vous savez? You know? Dieu attend toujours un moment. God always waiting for a pour pouvoir contrarier vos ennemis. To go to the opposite case of the enemy. Dieu permet que vous arrivez au bord du gouffre. When you are left, là où tout le monde dit c'est fini. Where people say it's finished. Où personne ne croit que Dieu est capable de vous and bénéficier. Nobody believes that God is able. Écoutez-moi to bien. Then, le plus souvent, most of the time, nous le disons dans la Bible. We say in the Bible, il est l'alpha. Il est ne n'oublions pas que Alpha a été commencé, mais il est aussi la fin. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance qui a commencé dans ta vie connaîtra une fin. Est-ce que quelqu'un tient la main de Pierre? Je vois Dieu apporter une solution. Le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Enough is enough. Pharaon a trop régné. Assez, c'est assez. Le moment est arrivé où tu dois sortir de l'esclavage. Le moment est arrivé où tu dois arrêter de travailler pour les autres. Le moment est arrivé où tu dois arrêter d'être esclave. Mais le moment est arrivé pour que tu sois autonome. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le directeur de la société que tu es en train de diriger maintenant. Assez, c'est assez. Je comprends une loi qui dit. I know a law who said. Dis amen avec moi parce que je vais annoncer quelque chose. I want to announce something. Je comprends une loi qui dit. I know a law who said. Dis avec moi une loi qui dit. A law who said. Oh. Écoutez. Listen. Il y a des moments dans la vie. There are moments in life. Où tu peux attraper le sac de quelqu'un. You can hold the bag of somebody. Cela ne détermine pas que. It doesn't determine. Tu es faible que cette personne. You are weak. Tu es misérable que you cette personne. You are miserable than that person. C'est un passage obligatoire. It's a passing by. Mais c'est de façon stratégique que Dieu it's fait cela. Strategique que Dieu God does it. C'est une position que Dieu nous demande. A position. La Bible dit quoi? The Bible says. Humilie-toi. Humble yourself. Et Dieu te relèvera. L'élévation. L'objectif c'est l'humilité. Tout tu apprends auprès de quelqu'un. Tout tu sais une personne. Cela ne veut pas dire que tu vas rester là longtemps. Tu vas déterminer la mort. Mais il y a un moment. Il y a une saison. Il y a une heure que Dieu a préparé pour toi. Pour que toi aussi, quelqu'un d'autre vienne aussi attraper ton sang. T'accompagner. Et tout va bien. La Bible déclare. Il y a plus plusieurs appelés, mais il y a peu de lui. Mais la Bible déclare, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Je prophétise ce matin, opération changement, opération changement. Le peuple d'Israël était dernier. The people of Israel were last. Ils étaient dans cette souffrance. They were in that suffering. Ils étaient dans cette douleur. They were in that pain. Mais ils ne savaient pas. They didn't know. Ce à quoi Dieu les avait appelés. Le plus souvent, nous ne savons pas. Les promesses de Dieu. Et nous sommes en train de pleurer. Mais je suis venu te dire. C'est un temps. Mais le temps de pleurs, de tristesse, se transformeront en de larmes de joie. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. L'Éternel se souviendra de toi. Tant que tu seras en vie, les promesses de Dieu arriveront vers toi. Est-ce qu'il y a un propriétaire de la parole en ce lieu? Est-ce qu'il y a un propriétaire de la parole en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm speaking to somebody. Tu m'as longtemps servi. Tu m'as longtemps attaché. Tu m'as longtemps rendu misérable. Tu m'as longtemps rendu esclave. Mais je sais une seule chose. Tous mes coups monteront vers Dieu. L'Éternel n'est pas muet. L'Éternel n'est pas aveugle. Dieu voit et Dieu attend. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu a entendu tes prières. Les prières que tu as adressées à lui depuis les années, il les a entendues. Il était là. Lorsque Dieu voit, maintenant l'Éternel descend. Il ne descend pas comme ça, mais il descend avec la grâce. La Bible déclare, voici le bonheur et la grâce qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel n'est plus au ciel, mais il est descendu ce matin. The Lord has come. Oh.
Alléluia. Écoutez, mais dans le principe de Dieu, ce qui est bizarre, dis-moi bizarre. C'est dis-moi bizarre. C'est strange. Dis-moi bizarre. C'est strange. Il y a des personnes qui commencent. Dis avec moi commencer. Dis avec moi commencer. Vous savez, la maison, the house, elle ne se bâtit pas comme ça. You cannot build it. Regardez like cette bâtisse. Look at the elle ne tient pas comme ça. Mais like si that. Cette maison tient comme ça, like c'est that. Parce qu'il y a eu quoi? Because there des fondations. There il y a eu une fondation. Dis avec moi fondation. Dis avec moi fondation. Dis avec moi fondation. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont commencé, mais on n'a pas pu parler d'eux. Ils ont été enlevés. C'est parce qu'ils sont des fondations. Ils doivent rentrer dans le plus profond de la terre pour pouvoir maintenir la bâtisse qui est là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que mon père d'Aon n'est pas mort. C'est parce qu'il est une fondation. Il devait descendre dans les creux. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'évangile, c'est pas continuer. La parole doit continuer. Mais il faut des gens qui commencent. S'il y a personne qui commence, il n'y a personne qui va achever. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour toi. Moïse a commencé. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Moïse les a enlevés en Égypte. Mais il fallait quelqu'un pour les faire rentrer à Canaan. C'est pour toi. Arrivé à certain moment, Moïse devait mourir, Moïse devait enlever et Josué allait continuer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton père a commencé, mais toi tu vas achever. Ton père a commencé, mais tu achèveras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non. Si j'étais à papa, je l'ai dit, je suis le propriétaire de ce message. Je suis le propriétaire. Mon Dieu, mon roi. Moïse est mort. La Bible déclare que Moïse est mort. Et la Bible dit, Dieu dit à Josué, lève-toi, passe le Jourdain. Cela veut dire quoi? Une ancienne génération en train de passer, mais une nouvelle génération en train de se lever. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez-moi bien, Jean-Baptiste a régné. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. L'arrivée, c'est un moment où ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est parce que peut-être ne pouvait pas régner ensemble. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il y a un seul capitaine dans un bateau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il fallait que Moïse meure. Mais cela ne veut pas dire que Moïse avait échoué. Moïse n'a pas échoué. Il a mis les fondations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais Josué, lève-toi. Et passe le soupir. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Je suis en train de dire à quelqu'un. Il dit, de la même manière que je fais avec Moïse, nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire quoi? Si Dieu est fidèle à ton père, il te sera aussi fidèle. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nobody will stand before you. Il dit, tu les vaincras. Et ce qui me plaît, what I like, il dit tout lieu. Every step. Il n'a pas, oh mon Dieu, mon roi. Il n'a pas dit un lieu. Mais il dit tout lieu. Je ne sais pas où tu es rentré et puis on t'a refusé le travail. Je ne sais pas quel est l'endroit que tu veux visiter. Je ne sais pas quel est le lieu qui t'est impossible, inaccessible. Mais la Bible dit tout lieu. Là où fumera la pointe de tes pieds. Je pensais que tu allais te lever pour dire, je marche dans mon bonheur, je marche dans mon succès, je marche au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit tout lieu, everywhere, où foulera la pointe de mes pieds, je te donnerai pour héritage, pour possession. Aucun endroit ne te retenir. Aucun lieu ne pourra te retenir. Aucun travail ne pourra te retenir. À partir d'aujourd'hui, la parole est délibérée.
libéré sur toi. Tu es la promesse de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es l'accomplissement de Dieu. J'annonce maintenant même. Tu transportes en toi un potentiel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne. Tu dis que tu Dieu t'entend. Il a dit à Josué, c'est toi qui pourras entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré à les pères de les donner. Je suis venu vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le lieu que ton père n'a pas vu, le bonheur qui n'a pas touché, la grâce qui n'a pas encore obtenu, c'est toi qui vas obtenir ces choses. Je suis en train de parler de toi, toi qui m'entends, toi qui dis amen, c'est toi qui vas toucher ces choses. Oh non, Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Ce n'est pas parce que ton père spirituel n'a pas une grande église qu'il a échoué. Not because your great spiritual father has a big church that you have failed. Il t'a montré le chemin. He show you the way. Il t'a donné les stratégies. He gave you a strategy. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'échoueras pas. You shall not fail. Parce que ton père n'a pas échoué. Your father didn't fail. Dieu n'a pas échoué. God didn't tu n'échoueras pas. You shall not fail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Alléluia. Dis, les promesses de Dieu sont grandes dans ma vie. The promises of the Lord are great in my life. Il savait que Josué allait être confronté à des réalités. Josué était très jeune. Il était le plus jeune au milieu des vieillards. Mais il savait que Josué allait être confronté à des réalités. Il dit, ne te décourage pas. Prends courage. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi. Il n'a pas dit, quelqu'un d'autre sera avec toi. Mais il dit, moi, l'Éternel, Moïse est mort, mais l'Éternel n'est pas mort. Moïse n'est pas en vie, mais moi, l'Éternel, je suis toujours vivant et je serai vivant pour l'éternité. Tu es un Dieu qui n'a pas connu le chèque. You are a God. Et dans le langage de Dieu, il n'existe pas le hasard. The language of God, le hasard n'existe pas dans the language of God, no accident. Tu es condamné à réussir. Je suis venu te dire ces choses. Peut-être que tu n'as pas la conviction. Peut-être que tu n'as pas la foi. Mais le message que tu entends aujourd'hui, je t'annonce, bien-aimé. D'autres enfants peuvent échouer. Mais toi, tu seras l'exception de tes parents. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez pourquoi? Quelqu'un me dit pourquoi? Quelqu'un me dit, parle, prophète. Tu parles parce que je veux parler. Et je vais m'arrêter là. Dis pas parce que je veux parler. Tu sais pourquoi tu ne vas pas échouer? You know why you parce que tu as accepté Jésus de Nazareth dans ta vie. Tu sais pourquoi tu ne vas pas échouer? Parce que tu as accompli la parole you de Dieu dans ta vie. Et tout va bien. You know il y a un chant qui pouvait le dire. Il dit, Seigneur, j'ai accompli tous tes commandements. J'ai obéi à ce que tu m'as dit. Seigneur mon Dieu, j'ai fait ma part. J'attends mon miracle. Tu as fait ta part. Ton miracle arrivera. Tu as fait ta part. Vous savez ce qu'il a dit à Josué? What he said to Joshua? Vous savez ce qu'il a dit à Josué? What he said to Joshua? La seule chose qu'il lui a dit, il dit, lève-toi. Stand up. Marche. Work. Le reste là, je m'en occupe. I'll take care. Je connais tes ennemis. Je connais tes détracteurs. Mais ce qui est bizarre, la parole de Dieu nous dit, the word of the toute âme forcée contre toi sera powerless. Rien ne pourra vous retenir à partir d'aujourd'hui. Tu es condamné au nom de Jésus.